Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, juste après ces petites photos qui sont passées avec cette petite musique sympathique, on va parler d'un tout nouveau produit qui vient juste de faire son apparition en France. Un appareil qui va faire beaucoup de choses, un appareil qui est équipé d'un GPS spécialement dédié aux personnes mal et non-voyantes. Cet appareil est connu du monde des déficients visuels. Cet appareil s'appelle le Victor Reader Trek. On avait donc, de la part de la société Humanware, une société canadienne, la possibilité d'avoir le Victor Reader Stream. On a eu le Victor Reader, on a eu le Victor Reader Stratus. Aujourd'hui, ils ont amélioré leur gamme avec un outil qui va pouvoir guider les gens aussi bien en mode piéton qu'en mode voiture, le Victor Reader Trek. Alors aujourd'hui, on va faire par étapes. Je préfère vraiment vous faire l'unboxing, le déballage de cette boîte. Pour les gens qui vont en faire l'acquisition, ils pourront se référer au fur et à mesure à cette vidéo, voir que tous les éléments, au fur et à mesure qu'ils sortent de la boîte. Bien sûr, il y aura plusieurs vidéos sur cet appareil. On va faire ensemble le premier démarrage, on va faire ensemble comment créer des routes, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à partager avec vos amis. On va tout de suite donc rentrer dans le déballage du nouveau Victor Reader Trek, un nouveau GPS, lecteur livre, radio. À tout de suite donc pour la suite de la vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, la boîte est sur le bureau. On a une boîte rectangulaire avec le nom marqué en haut à gauche et une photo de l'appareil sur le dessus. C'est une boîte classique. Dessous, on retrouve la même situation avec l'appareil à droite et le nom de l'appareil. On va maintenant ouvrir la boîte pour le déballage. Donc on a une boîte qui se lève et lorsqu'on lève cette boîte, on tombe tout de suite sur un dépliant expliquant en fait qu'est-ce que le Victor Reader Trek. Et on tombe directement sur les éléments de la boîte. La boîte face à nous, l'appareil se trouve à droite. Il est mis donc dans une housse en tissu avec un clapet. Et ce clapet est aimanté, on l'entend. Derrière cette housse, on a ici une grosse pince pour justement mettre l'appareil à la ceinture, par exemple à son sac en bandoulière. Donc l'appareil sera très bien fixé par une pince. Si on ouvre le côté aimanté, on tombe instantanément sur l'appareil. Donc je vous le mets en très gros sur l'écran. Le côté design, on est exactement... C'est une copie conforme du Victor Reader Stream 2 avec un pavé numérique, avec la touche carré Play Pause, avec une flèche à droite, une flèche à gauche, avec le petit ovale qui permet de nous donner l'heure. C'est vraiment typiquement un Victor Reader Stream. Les boutons à gauche de volume ainsi que le bouton marche arrêt et le bouton pour lancer le dictaphone sur le côté droit. On peut facilement enlever l'appareil puisque la coque qui l'entoure est une coque molle, est une coque très bien faite et qui entoure complètement l'appareil, qui le protège parfaitement bien. Mais là vraiment la coque est très très molle. La batterie est interchangeable par l'utilisateur via ici un petit clapet qu'on lève et qu'on éjecte. Et ici, on peut voir que, sans problème, on peut soi-même changer cette batterie. Pour la remettre, c'est pareil,
on referme. Voilà donc le côté hardware de l'appareil. On a en haut justement le lecteur de cartes SD ici. Donc c'est carte SD classique HC. On a juste à côté la prise jack et dessous l'appareil, on a le micro USB pour le branchement au PC ou pour le rechargement de l'appareil. Voilà un peu tout le côté hardware de notre appareil. Un joli petit appareil avec, comme d'habitude, Humanware a l'habitude de nous faire un petit code couleur sur les différents boutons. On continue donc de regarder ce qu'il y a dans notre boîte. Ici, sur le côté après, on a un compartiment à la gauche de l'appareil. On a donc, comme on a dit, le câble micro USB qui est donc livré naturellement. On a ensuite la prise murale. On a un adaptateur USB. Donc avec un côté micro USB et de l'autre côté donc une rallonge USB où on va pouvoir par exemple connecter une clé USB pour partager des données entre l'appareil et votre clé USB. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du copier-coller de livres, de musique directement en branchant ceci à l'appareil. On va le faire tout de suite. Voilà donc à quoi ça ressemble. On a branché le micro USB dans l'appareil et on peut voir que si on met une clé USB ici, on va pouvoir échanger des données entre l'appareil et la clé USB. C'est vraiment très bien fait. On a ici des écouteurs de livret avec dans une boîte en plastique. Voilà, donc ce sont des écouteurs classiques avec un port jack. Et on a une petite dragonne que l'on pourra donc mettre à son poignet lorsqu'on se promènera avec le Victor Reader Trek. Voilà tout ce qu'il y a donc dans cette boîte. Si on allume l'appareil, au premier allumage, on sent une petite vibration qui nous dit que l'appareil est en cours d'allumage. Un petit détail bien sympa, puisque comme ça, on sait que notre appareil, étant donné qu'il a vibré, on est donc sur le... Bienvenue à Victor Reader. Orientation. Volume extérieur. Volume extérieur. 5. Recherche de satellite en cours. Connecté au réseau Wi-Fi. Alors, l'appareil, lui, aujourd'hui, a des nouveautés en interne par rapport au Victor Reader Stream. C'est que on possède du Bluetooth. Donc vous allez pouvoir directement connecter l'appareil à un haut-parleur Bluetooth, à un casque Bluetooth, ce qui veut dire que vous allez pouvoir, lors d'une marche à l'extérieur, soit voir volume extérieur, 5. Le volume extérieur qui est un peu plus fort par rapport à l'haut-parleur quand on est à l'extérieur, étant donné les bruits environnementaux de la ville, ça peut un peu perturber, mais ensuite on va pouvoir connecter en Bluetooth un petit haut-parleur, voire un gros, si vous voulez le mettre dans votre sac, et pouvoir gérer l'appareil complètement à partir de son pavé numérique. Le Bluetooth est vraiment un point fort de l'appareil, étant donné que on peut maintenant le connecter à n'importe quel système. Le Wi-Fi, donc le connecter pour les mises à jour, pour les radios web, les podcasts, on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo, et notre fameux tracker, que l'on verra de toute façon ensemble. C'est le remplacement du Tracker Breeze. Donc ils ont mis en fait le soft du Tracker Breeze à l'intérieur du Victor Reader Trek. La preuve ici, par exemple, la touche 5, pour ceux qui avaient eu l'habitude ou touché le Tracker Breeze, le 5, ça va être la grosse touche qui se trouvait en haut. Pas de couverture GPS. On va pouvoir donc lui demander où suis-je, la touche où suis-je. Et vous allez voir qu'on fera ensemble différentes vidéos sur comment construire une route, comment naviguer dans cette route, comment se servir du Victor Trek comme petit poussé.
C'est vraiment très sympathique, l'appareil en lui-même. Les boutons sont très très accessibles. Donc voilà un peu comment se passe le nouveau, tout nouveau Victor Reader Trek. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos d'ailleurs sur la mise en place de route, le fonctionnement du GPS en action. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour les prochains tests du Victor Reader Trek. Merci à tous et à bientôt. Salut!